Merci beaucoup. On passe maintenant la parole au Club 14, comme on dit. Qui c'est qui veut s'exprimer? Je vais m'exprimer dans un Allez-y, premier Monsieur temps, mais je Zucker, passerai assez oui. rapidement la parole à mes deux vice-présidents. En quelques mots, les adhérents au Club 14, la connaissance est extrêmement importante pour nous. On a vu déjà des exemples de connaissance et pour nous, la connaissance est un élément de partage. Donc, ça a bien évolué depuis ces dernières années. Il y a des sciences qui ont bien évolué comme la biomécanique, on ne l'a pas trop dit, mais ça, c'est très important. Il y a l'Observatoire national de sécurité routière qui a fait d'énormes progrès. Mais quand même, encore aujourd'hui, sur le plan de la connaissance, on n'est pas tous sur le plan du partage. Parce qu'on s'aperçoit encore aujourd'hui qu'on ne connaît pas précisément le parc roulant des deux-roues motorisés en France. Ce qui est quand même quelque chose qui nous semble indispensable pour pouvoir justement parler de formation, d'équipement, voire de répression. On sait que l'acquisition des données est extrêmement importante pour décider d'une action. La validation de ces données est pour nous aussi extrêmement importante. Donc, le portrait type de l'adhérent de Club 14, il va rejoindre sans doute ce qu'on va retrouver dans les autres déclarations. Aujourd'hui, les gens qui pratiquent de la moto, je parle de moto et pas de cyclo. Puisqu'on ne représente pas les gens du cyclo ici, en tout cas nous, sont des gens qui ont plutôt 40 ans. Donc ces gens-là, ils ont un mode de vie, ils ont souvent une automobile, dans 90 à 94% des cas, ils ont charge de famille, ils ont un emploi, ils ont des responsabilités dans la société civile. Ça veut dire qu'on est loin de l'image qu'on avait à une certaine époque de quelqu'un qui était marginal, qui était sans ressources et qui avait des comportements en dehors de la société. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il y a un autre point qui nous semble extrêmement important, c'est de constater qu'aujourd'hui le marché de la moto, même s'il se porte moins bien, et on peut le regretter les uns les autres, c'est dans les ventes neuves de la moto, 50% de ventes pour des scooters. Le scooter, c'est de l'utilitaire, c'est du trajet travail. Donc c'est une population qui est arrivée, comme l'a dit Michel Villebois, avec du permis B et sans formation. C'est donc quelque chose qu'il faut observer parce qu'il y a beaucoup de diversité dans la pratique. Il n'y a pas d'observation monolithique du pratiquant de la moto, comme l'a dit M. Van Esland. On est aussi dans du multimodal. Je fais de la moto, je fais du scooter, je fais de la voiture, mais je prends aussi les transports en commun. Donc à un moment ou à un autre, on va s'apercevoir que cette population. Elle a des moyens de communication qui sont multiples, elle aussi, et que ce n'est pas facile de communiquer avec elle, et que bien souvent, il faut aussi bien savoir comment on peut communiquer avec elle. Rapidement, ils sont 430 000, ils sont répartis sur l'ensemble de la France, ils font du loisir, ils font de l'utilitaire, pour moitié-moitié, en tout cas chez nous, et on s'aperçoit que leur degré de connaissance n'est pas le même. Pour faire simple, les gens qui roulent en moto, c'est-à-dire les plus de grosses motos, plus de 125 cm3, ils ont la connaissance, à travers des études que nous-mêmes avons réalisées avec AXA Prévention, des études, ils ont la connaissance de leur fragilité. Ils savent qu'ils sont fragiles, ils savent qu'il peut leur arriver quelque chose, et donc à partir de là, ils savent qu'ils peuvent s'équiper. Après, comment peuvent-ils s'équiper? C'est un autre sujet qu'on abordera un petit peu plus tard. On va vous le dire. Bien sûr, mais c'est celui-là qui nous intéresse, On voyez-vous. va essayer de vous le dire. Par contre, il y a une autre population qui est celle du scooter, et hélas, on s'aperçoit que cette population qui est de plus en plus nombreuse, qui est mature, qui est responsable, elle s'équipe pas bien déjà. Et qu'il y a peut-être des choses à faire là-dessus. On fera des recommandations, évidemment. Mais il y a aussi de la connaissance qui est déjà acquise. Le guide qui a été évoqué sur la prise en compte des deux-roues motorisés dans les infrastructures de Sertu est extrêmement bien fait. Donc je pense que là aussi, cette connaissance qui est en train de sommeiller dans les bureaux devrait être ressortie et être appliquée, même si là encore se pose le problème des ressources. Je sais que c'est important, qu'on ne peut pas exiger de l'équipement qui se consacre uniquement à la moto et pas aux autres, mais il y a sans doute un certain retard. Il y a aussi. Le fait que dans les observations qui ont été faites, je ne l'ai pas entendu et je tiens à le dire quand même, c'est que, y a 800 tués en moto, mais sur les 800 tués, on s'aperçoit qu'il y en a un bon tiers qui se tue tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui demande sans doute de l'approfondissement. Est-ce qu'il se tue tout seul parce qu'il roule très mal? Est-ce qu'il se tue tout seul parce qu'il n'a pas de formation? Est-ce qu'il est très mal équipé? Il y a aussi des choses à voir là-dessus, parce que là, on a tout de suite un levier d'un tiers, sans doute. Il y a le sujet de l'équipement et des véhicules. L'équipement, c'est quoi? Aujourd'hui, on le sait, c'est un casque et je peux rouler tout nu sur mon deux-roues motorisé.
comme je peux rouler d'ailleurs tout nu dans un véhicule 4 roues, mais ça va beaucoup moins se voir. C'est le sujet de la recommandation d'équipement. La recommandation d'équipement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des normes qui commencent à se mettre en place. Nous, on est favorable à ce qu'il y ait des équipements qui soient recommandés, mais dès l'instant, il y a une norme. Et cette norme, il faut qu'elle soit partagée au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce qu'on sait que les équipements, bah c'est les casques, c'est les gants, c'est les chaussures, c'est les pantalons, c'est les airbags, c'est les protections dorsales, c'est les blousons, pour faire simple. Tout voilà. Ça en même temps. Bien sûr. Non, tout parce ça que, en même temps. Écoutez, je me permets de vous interrompre là-dessus. C'est un des problèmes qu'on se pose depuis le début des travaux de notre mission. Au-delà des constats qui se mettent en commun, des analyses qui se rapprochent, nous, notre problème, c'est d'essayer... par la suite, qu'il y ait le moins de morts possible, de diminuer le nombre de morts. Et on essaie de réfléchir au problème des équipements, mais là, vous me donnez une liste. Moi, je les rapproche par rapport à l'accidentologie. On me dit que c'est la tête et le thorax. Oui. Voilà. Oui, mais... je veux dire qu'ils sont les côtés les plus mortels. Mais qu'est-ce ça... qu'on fait ? Nous, on va être obligés auprès du gouvernement de faire un certain nombre de propositions. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement va nous demander, écoutez, qu'est-ce que vous nous dites concrètement ? Et je me permets de vous poser la manière un peu, de manière aussi, est-ce que le blouson airbag, moi je veux une réponse. Est-ce que ça vous semble indispensable ? Ou est-ce que ça vous semble, je veux dire, relatif ? Je me permets une réponse. Voilà. L'appréciation de l'accidentologie, ce n'est pas que les tués. Parce qu'on parle souvent des tués, hélas, à notre grand regret. On a évoqué tout à l'heure les plus de 20 000 blessés corporels qui sont de plus en plus aggravants, et donc de plus en plus coûteux. Et on s'aperçoit que la traumatologie accidentelle, elle a été très bien décrite, quoique rapidement, c'est souvent le tronc, c'est souvent le bassin, c'est-à-dire... À part la tête, les lésions, c'est le tronc et c'est la partie faciale du tronc. Donc, pour nous, l'airbag est une solution qui est une première réponse. D'ailleurs, nous, on encourage nos adhérents à s'en équiper. Simplement, ce sont des matériels qui sont encore en voie d'amélioration, qui sont encore en voie de normalisation. Mais à un moment ou à un autre, nous, on les recommande, bien sûr. Mais la traumatologie, elle est aussi sur les membres inférieurs. C'est-à-dire que ça, c'est important. Et donc, il nous semble qu'on peut, s'il faut être progressif dans la recommandation de l'équipement, à un moment ou à un autre, il faut qu'on cadence quelque chose. Je voudrais passer la parole à Michel et à Philippe, l'un sur l'accès progressif à la puissance et l'autre sur la formation, parce que ça nous semble extrêmement important aussi de pouvoir donner les éléments nécessaires à la conduite d'un duro motorisé, voire de les rappeler.